On reste dans le domaine de l'eau avec la fontaine Argence à Troyes en cours de rénovation avec un principe plutôt novateur, le cryoblasting. Il s'agit de nettoyer les statues en projetant à haute pression de la glace carbonique. C'est une jeune société auboise qui a été choisie pour procéder aux travaux. Avec ce principe, les poussières et autres pollutions sont décapées de manière très efficace. Écoutez Roderick Volrat, le responsable du chantier de décapage de la statue. Le principe, c'est qu'on envoie de la carboglace, donc à moins 80, c'est des particules de CO2 solide, choc thermique, et le froid, le choc thermique en surface permet d'enlever le contaminant. On utilise une lance, comme vous avez pu voir tout à l'heure, voilà, et puis on enlève la peinture avec le choc thermique en fait. Donc la glace refroidit, gèle la peinture qui se craquelle et elle s'en va. Pour nous, c'est à la fois une super carte de visite pour l'activité qui est nouvelle. Ça fait un an qu'on existe sur Troyes. Et puis, c'est le travail bien fait. On découvre sous la peinture un tas de détails qui étaient bouchés. Il y a jusqu'à 7 couches de peinture. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a décapé dans les petits creux, etc., on retrouve un détail fou.